Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande, j'ai toujours 72 ans et aujourd'hui nous sommes sur l'aéroport de Genève-Cointrin où il pleut et il fait un temps horrible. Alors je pense que les terrasses aujourd'hui sont fermées. Bon, on était hier à Clermont pour essayer de boire un coup ensemble et ben aujourd'hui on est dans l'avion, on va bien y rester. On boira notre coup dans l'avion. Alors. ce que je voulais faire aujourd'hui, aujourd'hui j'ai essayé de regarder comment on peut faire un atterrissage AirNav. Bon, RNAV, je ne sais pas comment on prononce, mais je pense que c'est AirNav. Donc j'ai essayé de faire un atterrissage AirNav sur une piste à Lyon. Alors pour cela, je vais décoller d'ici, sur la piste 22, je crois, et puis nous irons à Lyon sur la piste 35L et on essayera de se poser. Alors je vais vous montrer le plan de vol que j'ai préparé. Alors je couperai les ATC, on va s'en passer pour aujourd'hui, hein. C'est juste pour apprendre comment. Alors bon, je suis obligé de faire ça aujourd'hui puisque la piste en service c'est comme ça. Donc on va faire une seed qui arrivera là, ensuite on va sur 1000 pas et ensuite donc on va faire un vol à une altitude basse, hein. Et puis la plus basse possible, je pense que je ne vais pas monter au-dessus de 10 000 pieds là. Et puis comme ça on pourra préparer notre approche. Alors l'approche, voilà ce que j'ai prévu comme approche, c'est donc sur la piste 35L de Saint-Exupéry, on va essayer de faire une approche AirNav. Donc c'est la carte pour l'approche AirNav. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dessus à mon avis? Bon bah déjà la première chose très intéressante, c'est de voir la DA. Hein, donc la DA est à 1014 pieds. Hein. Ça, il faut bien s'en souvenir. On va le remplir tout à l'heure. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que notre approche doit commencer à Necpu. Alors Necpu, je ne sais pas où c'est exactement, mais à Necpu, c'est ici. On doit être à 3000. Donc on va descendre ici. Jusqu'à 3000 et ensuite à FL35L on va commencer notre descente, la finale de notre descente, et on voit qu'ici on est quand on est à FL35L on est à 4 et de 6 environ 7 nautiques de la piste qui est à 814 pieds. Donc voilà ce que j'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Straight in landing, runway 35L. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça. Moi, j'ai pris 1164. On va regarder qu'est-ce qu'ils nous disent. 1014. Alors, ça, par contre, vous voyez, je ne sais pas bien comment on s'en sert, ça. Donc, des LPV catégorie 1. Bon, je vais mettre 1014, hein, parce que là, je sais. Franchement, je ne sais pas bien comment le lire, ça. Alors, LNAV, VNAV, ça veut dire quoi? Moi, je suis RNAV, théoriquement. VNAV, alors, c'est quoi? C'est RNAV, oui. Faudrait peut-être que je prenne 1164, j'en sais rien. Ouais. Je ne peux pas vous dire. Là, j'ai quand même encore des choses qui me paraissent obscures dans ces cartes, parce que faudrait savoir ce que veut dire. Moi, j'ai essayé de. Vous voyez, ici, j'ai pris la runway 35L AirNav par Riptu. Bon, très bien. Alors, on va passer par Riptu. Je ne sais pas où est Riptu. Ça doit être par là. C'est la Riptu. Voilà. Bon, donc, on va passer par Riptu. Ça démarre à Riptu. Ensuite, on descend. On descend donc jusqu'à FL35 qui est à 3000. Hein. Et puis, voilà, Necpu. D'abord Necpu. Ensuite, Riptu. Necpu. Necpu, c'est là, voilà, hop, hop, oui, ça c'est tout droit après, hein. D'accord, très bien, bon, j'ai compris vaguement, par contre, je vais essayer de faire comme on m'a montré, c'est-à-dire, comme j'ai essayé de comprendre sur une vidéo en anglais, faite par un pilote de ligne, un vrai pilote d'A320, donc, je pense que, alors bien sûr, pour lui, les choses sont simples. Mais pour moi qui vais faire ça pour la première fois,
Eh bien, c'est pas simple. Déjà, vous voyez, standard. Allez, moi, je vais prendre standard. Standard, c'est 1014. Je vais prendre ça. Voilà. Voilà, je vais prendre ça. Donc, je prendrai 1014 pour mettre dans barreau, puisqu'il va falloir remplir ça. Très bien. Bon, allez. Cet avion, il fait beaucoup de bruit, là. Donc, on va faire prêt à voler, déjà. On va rentrer dans l'avion. OK. La première chose que je vais faire, c'est couper tout ça, là. Hop. Non seulement je veux pas les communications, mais je veux même pas qu'on me parle, là. Donc, comment on fait pour faire qu'on me parle pas? Ben, je vais regarder ici. Voilà. Bon, alors, bien sûr, il faut que je décolle. Mais je pense qu'après, je pourrais dire que je veux plus de l'oreille IFR. Hein, donc, que je me débrouille tout seul. Pour pas avoir dans les oreilles tout ce qu'il nous raconte, là, qui est pénible. Voilà. Très bien. Bon, je vais essayer de décoller. On verra bien après. Donc, pour décoller, la première chose à faire, je vais me mettre... je vais régler ma pression barométrique, voilà, très bien, là, j'y suis. Alors ça sera à surveiller à l'atterrissage, il faut absolument surveiller ça. Alors, pour vous expliquer, d'après ce que j'ai compris, la première chose à faire quand on veut faire un atterrissage AirNav, il faut faire très attention au QNH. Ça, c'est une chose extrêmement importante. C'est la première chose qu'il faut bien régler le QNH. Attention aussi, il ne faut pas se servir de les informations de l'ILS. Là. LS, il ne faut pas s'en servir. Non. On va se servir juste d'approche. Si on sert d'LS, on ne pourra pas se servir d'approche. Donc, et il faut bien surveiller, au moment de l'approche, bien surveiller son altitude. Voilà. Être bien positionné à la bonne altitude quand on arrivera ici. Voilà, ici. Mais surtout, à NECPU. Voilà. Là, il faut être vraiment à la bonne altitude et surveiller son altitude. Donc, on va partir à 3000 à NECPU. Quand on arrivera à FL 36 Lima, hein, 35 Lima, eh bien, il faudra descendre. Il faudra se retrouver à 1760 sur NM, là, sur D8 NM, voilà, ici. Et ensuite, continuer à descendre avec la même pente jusqu'ici. Alors, c'est ça que j'ai pas très bien compris, donc parce qu'on n'a pas d'ILS. Hein. C'est-à-dire que la descente, c'est à nous de la gérer, là. Alors, je crois que c'est à partir d'ici qu'il faudra couper l'autopilote, couper aussi le flight director, utiliser ça. Alors ça, on va le regarder là, parce que je pense que je ne l'ai jamais utilisé. Vous voyez que là, on a l'autopilote et ici au-dessus, on a un mode différent là. On a soit track, soit healing. Voilà. Bon, en principe, on est sur healing quand on vole. Mais si on est sur track, vous voyez, c'est différent. Si on est sur track, en principe, quand on volera, ben ici on devrait avoir un petit avion qui vous dit où vous en êtes. Bon, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Mais là, je vais remettre en position normale. Voilà, healing. Voilà. Ici, je vais régler comme ça. Je vais régler comme ça. Et là, 5000. Bon, on va monter à 5000. Je sais pas ce qu'on va me dire au début. On va peut-être me dire de monter plus haut. J'en sais rien. Allez, je vais décoller, donc je vais commencer par armer les spoilers, parce qu'ils ne sont pas armés. Là, je suis bien sur 1, et je suis bien sur max ici, donc c'est bon. Là, on n'a plus qu'à décoller, en principe. Ce que je vais faire tout de suite aussi, tiens. Allez, on va le faire, parce que, voilà, vous voyez, ici, on va avoir besoin de se servir de prog. On va être obligé de s'en servir de ce truc-là. Bon, je ne sais plus comment il faut faire, mais je pense que là, il va falloir rentrer quelque chose ici. Je ne me rappelle plus quoi. C'est ça mon problème, c'est que je ne me rappelle plus quoi. Et puis, donc, il faut vérifier que le GPS primary est bien en route aussi. Alors là, c'est bon.
parce que notre GPS primary fonctionne. Ça, c'est très important. Alors, attendez que je résume encore à peu près ce qu'on m'a dit. Dans Prog, ici, alors qu'est-ce qu'on m'a dit là, qu'il fallait que je regarde. Ah, voilà. C'est ici. Vous voyez ici, on a GPS primary qui est marqué. GPS primary qui est marqué. On a ici accuracy, ça veut dire que c'est la précision. Accuracy, high. Donc là, on est très bon. Là, on est à 0.07. Ça veut dire que quand, si on voit ça au moment d'atterrir, ça sera bon. On pourra atterrir avec une précision qui sera high. S'il y avait marqué low, il ne faut surtout pas atterrir. Voilà, très bien. Voilà ce que j'ai compris. Vous ne pouvez pas atterrir en aéronave s'il y a marqué low. Ensuite, ici, estimated, ça veut dire la précision. Alors, vous voyez que 0.07, c'est très bas, hein, comme, donc c'est une précision haute. Voilà, ça veut dire que là, si on avait plus, la précision est à la 0 mile, 0 à 70 mètres finalement. Hein, voilà, à 70 mètres près, donc c'est une bonne précision là. Voilà. Et on voit que la précision requise, elle est de 3.4. Donc là, tant qu'on est en dessous, ben, théoriquement, ça devrait aller. Hein. Ouais. Très bien. Alors ici, il y a juste quelque chose là. Je ne sais plus exactement. C'est pour calculer la distance d'un point, ça. Alors, il faudrait peut-être que je rentre le point hein, qu'on a ici. Voilà. Pour savoir. Là, il y a quelque chose que j'ai pas bien saisi. Peut-être qu'il faut que je rentre le point Riptu, là. Pour connaître la distance que j'ai à parcourir à partir du début de ma star. Alors je vais essayer, on va marquer Riptu là-dedans, puis on verra bien. Donc clear, donc ça je sais que GPS primary il est bon, alors donc c'est bon déjà. Et parce que s'il n'y avait pas le GPS primary, ce qui a marqué là, ça ne voudrait rien dire. Voilà. Donc GPS primary, c'est très important que ça soit écrit. Voilà. High, c'est très important que ça soit écrit, et là on peut voir la précision. Donc là, je vais marquer Riptu, on va bien voir hein, ce que ça donne. Ça nous donnera sans doute. Riptu, ça va être le point qu'on cherche à atteindre. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit là? Non, c'est pas vrai. Bon, ça, il faut que j'arrive à supprimer ça. Je sais pas comment je vais faire. Ça me casse les pieds, ça. Bon, allez. Je sais pas, il y a une manière d'arrêter ça, mais je ne la connais pas. Bon, allez, je me mets là, Riptu, bah vous voyez, la distance, je suis à 34, alors c'est quoi la distance, Riptu? C'est la distance, c'est ma distance de Riptu, je suis à 34 nautiques de Riptu, mais alors je suis très très proche alors. Il est ah oui, en vol direct, je suis à 35 nautiques de Riptu, c'est possible ça. Voyons voir. Difficile, mais enfin, c'est possible. Hein. Riptu, c'est là. Moi, je suis là actuellement. Voilà. Oui, alors ça fait pas plus de 35 nautiques, ça. Je sais pas bien comment on peut le savoir, mais c'est quand même impressionnant. Hein. C'est quand même impressionnant. Bon, bon, je sais pas. Bon, ben, on verra bien. De toute façon, c'est pas grave. Hein. Je vais passer par là. On verra bien. Ok. C'était juste pour avoir une idée de ce que ça peut me donner, ça. Ben oui, peut-être à vol d'oiseau, je suis à 35. Et c'est au 255. Alors ça, au 255, c'est vrai. Hein. Parce que je suis là. Donc si je suis là, je prends le 270, c'est là, vous voyez. Donc le 255, c'est bon. Ouais, d'accord. Donc ça doit être ça. Très bien. Bon. Donc, ce que je vais faire aussi, là, avant de démarrer. Bon, là, je les gêne sur la piste, mais tant pis. Hein. Voilà. Je vais aller sur perf ici. Et bon, ça j'en ai pas. Bah si, ça il faut que je le rentre quand même. Hein. Allez. Alors voilà, j'ai cliqué là. Ça, je suis quand même, je rentre. Hein. J'allais oublier de rentrer ça, c'est grave. Volet 1, ok, je rentre. Et l'altitude de transition à Genève, je me souviens plus exactement. Alors on peut regarder. LSGG. Je vais regarder. Approche. Prendre la première que je trouve là.
L'altitude de transition, c'est 7000. Allez, je vais rentrer 7000 comme ça. Je ferai pas de... Bon, ben, c'est pas très important pour notre, pour ce qu'on veut essayer là. Mais autant le faire comme il faut. Voilà. Bon, ben, très bien. Là, c'est bien rempli. Radnav, alors bon, ben, là, il n'y a rien à écrire, hein, puisque je vais pas me servir du tout des balises au sol, hein, puisque je fais une approche de non-précision. Alors que ça serait un ILS, ça serait une approche de précision. Hein, voilà. Et puis, donc là, j'ai rien à remplir. Par contre, dans Perf, vous voyez, dans Perf, il faut que j'aille sur Next Phase. Et là, je vais remplir le QNH qui est prévu là-bas. Alors, le QNH qui est prévu là-bas, comment je peux le connaître? Eh bien, je peux, par exemple, allumer ici mon appareil, là, mon flypad. Et puis je vais. Ah oui, comment je fais là? Ah oui, j'ai pas le sim brief alors, donc ça me sert à rien. Non, j'ai rien de sim brief. Donc il faut que je cherche le. Non, mais je vais chercher le métard, c'est pas grave. Allez, on va le laisser comme ça. Parce que j'ai pas fait de sim brief là. Très bien. Donc le métard, bah, je vais aller le chercher ici. Hop. Donc métard à LFLL. Lima, Foxtrot, Lima, Lima. Hop. Ça, c'est facile à dire. Voilà, hop. Et donc. 1025. Voilà, bah, je vais remplir 1025. Voilà, c'est très bien. 1025, la température 12. Parfait. Allez. Vous voyez, ça sert d'avoir des. Alors, 1025 et 12. Allez, je me replace ici. Je vais me mettre 1025. Et 12 degrés. Et puis le vent, alors, j'ai pas bien regardé, c'est 365. 360. Non, je me suis gouré. 360, oui, c'est ça. 360 slash 0,5. Ok. Si. L'altitude de transition, bah, c'est 5000. Hein. Là. Et puis barreau, alors j'ai 10 000, j'ai dit combien, là, je me souviens déjà plus, on va regarder ça tout de suite, c'est marqué là, barreau, ah non, là c'est Genève, pardon, donc je ferme ça, je retourne là, voilà, et le barreau, c'est donc 1014, allez, c'est bon, parfait. Alors, 1, 0, 1, 4. Je vais me le mettre ici. Parfait. Bon, allez. Ah ben non, pourquoi j'ai 0, 0. Ah oui, 0, 0, parce que j'ai mis 360. D'accord, c'est bon. Très bien. Ok. Eh ben, c'est parfait. On est prêt à partir. Je vais voir si... Je vais me positionner comme il faut, là. Hop. J'ai enlevé mon parking break et je vais démarrer. Ok. Je pense que j'ai rien oublié, là. Les contraintes, je les ai pas mises, je vais les mettre. Ok. Voilà. Je vais les mettre des deux côtés, d'ailleurs. Voilà. Comme ça, c'est fait. Je vais regarder quand même un peu le radar, mais enfin, bon. De toute façon. Ah non, là, c'était bon. C'est pas celui-là, le radar, c'est l'autre. Voilà. Ok. Oh là. Oui, d'accord. Allons-y. On décolle.
Bon, alors je vais essayer là de supprimer tout ce qu'on me dit là. Hop, essayer de supprimer. Alors, comment je peux faire? Oui, qu'est-ce qu'ils m'ont dit là? Contactez, accepter. D'accord. Ok. Et après, je vais leur dire quoi. Enfin, je vais essayer de leur dire que j'ai plus besoin d'eux. Alors ça, il faut que je le fasse quand même. Voilà, parce que là il y a des montagnes, donc je fasse gaffe. J'accepte les consignes, on verra après. Alors, bon, ils sont pas contents. Hein. Alors, il est où le 0 là? 0, 3, 3, 3. Ben voilà. Pas de mieux. Bon, comment on est là? Annuler l'IFR. Hop, là j'annule l'IFR, ça me change. Je vais me régler sur 7000 comme avant. Transmeur 1200, oui c'est ça. 1200. Alors, alors là j'ai dû atteindre mon attitude, oulala oui. Faut que je coupe tout ça là. Bon, enfin, on est dans les nuages, je suis pas obligé de le laisser. Par contre, là, j'aurais dû me mettre les wings. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Bon, très bien. Ok, je peux quitter. Je quitte la fréquence, parfait. Là, je suis en train de tourner, c'est bon. Donc, je suis à 8000. Très bien. Là, je peux libérer mes passagers là. Et puis bah, je vais monter à 9000 pour le plaisir. Voilà. Alors comme d'habitude on va rien voir. Alors, je vais peut-être monter à 10000 pour qu'on voit un peu plus. Après il faudra redescendre, mais il faudra bientôt redescendre. C'est ça le problème. Voilà. Je vais monter à 10000, on verra bien. S'il veut bien, hein, parce que il veut pas. Là il veut juste descendre. Je vais régler ça up. Allez, on va monter comme ça. Non, ça marche pas. Voilà, là c'est bon. Alors, où est-ce que j'en suis maintenant? Il faut faire bien attention. Je vais me mettre sur 40 là pour bien voir tout. Alors. Sur RIP tout. Oui, bah là, il va falloir que je descende déjà. Je vais redescendre. Parce que là, j'en suis où là? Si je regarde ici, mon plan de vol, QDUP, Amken, RIP tout. Bon, alors là, il faut qu'à RIP tout, je commence à descendre. Oui, là, je peux commencer à descendre tout de suite. Là, vous voyez, il y a marqué que je dois être maximum à 105, donc je vais redescendre. Je vais redescendre à 8000. Voilà. Parfait. Là, c'est tout bien. Je ne sais pas pourquoi ça, comme ça. Voilà. Hop. Donc là, je vais descendre tranquillement. Et il faut que je sois 7000. À 7000 la rupture, voilà. Je vais essayer d'être à 7000 la rupture.
Et là, il me reste combien? Il me reste 20. Oui, mais alors je vais me mettre à 7000 tout de suite. Hein. Parce que si je veux y être, j'ai intérêt à descendre tout de suite. Bon. Alors là, ça devient sérieux parce que, vous voyez, on est très très proche déjà. Hein. À Riptu, c'est le début de ma star, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je m'en souviens plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça y est, je m'en souviens déjà plus. On a quand même regardé qu'on a bien tous nos points, là. Ils sont écrits. Eh ben non, ils sont pas écrits, mes points, là. Donc... R, j'ai dit. Non, c'est pas loc, hein. RNAV. 35R, voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Par Riptu. Alors, comment on fait pour chercher Riptu, là? Bien. Riptu. Allez, hop. Et là, j'insère. Voilà, c'est bon. Là, en principe, c'est bon. Ok. Là, ça y est, j'arrive à 7000, c'est bon. Après, il faudra que je descende à 3000 ici. Hein. Vous voyez que c'est pas long. Donc, je sais qu'à un moment, il faut que j'appuie sur approche, mais je ne sais pas exactement à quel moment. On va essayer d'agrandir un peu pour voir un peu plus là. Si je peux voir, on voit rien du tout. Là, il y a descente. Alors, D, c'est peut-être là qu'il faut que j'appuie sur approche. Non. Alors, vous voyez, d'après ce que j'ai compris, si on clique sur perf, on peut activer l'approche. Donc, moi, je vais activer l'approche quand je serai là, à peu près. On va voir. Je vais activer l'approche. Et l'approche, donc, c'est cette phase-là que j'ai remplie. Donc, en principe, ça devrait être bon. On va voir. On va apprendre. Bon, alors, je me suis mis dans les pires conditions. On est dans le brouillard. Donc, l'avantage, c'est que si ça marche pas, je pourrais toujours ne pas montrer la vidéo. Ça a toujours ça de fait. Bon, ce sera le côté positif de la chose. Oh là là, anti-ice, j'ai oublié mes anti-ice, je suis complètement... Mon avion, il est complètement lourd, il va tomber comme une pierre. Là. Voilà, j'ai tout éclairé et je vais même mettre ici, comme ça, je vous le dis au cas où, hein. Vous mettez ça igne sur Sartre et ça fait fondre la glace. Très bien. Allez. Severe ice detected, c'est bien. Ok. Alors, là, c'est bon. Donc, là, je commence à... Là, commencer à descendre un peu la même vitesse. Donc ce qu'il y a de bien, c'est comme je suis en dessous de 8000, je ne passe pas le 250. Alors ça, c'est bien. Et je vais voir ici, à partir du moment où je vais me mettre en approche, si ça marche. Donc ici, je vais revenir sur confirme quoi. Confirme approche phase. Ben oui, je vais confirmer, oui. Donc, approche phase. Comment je fais pour confirmer? J'active alors. Allez, je vais me mettre. Allez, confirme. Donc là, j'ai confirmé l'approche. On va voir ce que ça va donner. Là, il faut que je descende à 3000 maintenant, hein, si j'ai bien compris. Donc, je vais me mettre à 3000. Je vais quand même regarder en descendant, parce que là, il risque d'y avoir quand même... Vous voyez, il y a des montagnes. Hein, faut pas... Non, mais là, ça risque quand même. C'est bon. Alors, donc à 3000, c'est bon. Là, je vais descendre. Hop. En principe, je devrais être en pleine descente. Et ma vitesse a diminué, donc je peux mettre un cran de volet. C'est bon.
À partir de là, je mettrai approche. 3000, 3000. Et là, après, il faut que je descende moins de 3000. J'espère que je vais y voir quelque chose parce que sinon. Bon, là, ça descend pas vite, mais bon, je suis pas très très près hein, parce que là, si on regarde bien, il me reste encore 30 nautiques pour arriver là. Donc, en 30 nautiques, à mon avis, si je prends mes performances là, voilà. Pour atteindre 3000, il me faut pas beaucoup là. Pardon, pour atteindre 3000, il me faut 10 nautiques. Donc c'est bon. Okay. Là, je vais mettre un deuxième cran de volet. Voilà. Donc je suis bien ici, tout ce que j'ai à voir. Je suis là sur le flight director. Ici, je suis en nav, je suis en descente. En principe, ça devrait descendre plus vite quand même. Voilà, c'est bon. C'est parce que j'étais en train de tourner, je pense. Vous voyez qu'ici, en principe, je peux mettre un cran de volet supplémentaire. Donc, je vais mettre le troisième cran. Je me mettrai en approche un peu plus loin, en full flap, un peu plus loin. Parce que là, sinon je perds trop de vitesse. Hein. Non, c'est bon. Donc, le flight director, tout va bien. Il faudra que j'enlève. Alors. Au moment de l'atterrissage, d'après ce que j'ai compris, là, donc maintenant la prochaine chose que je vais faire, c'est appuyer sur approche. Là. Voilà. Je ferai mon dernier cran de volet. Et puis, au moment d'atterrir, quand je serai face à la piste, donc il faudra que je descende là. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment on fait pour descendre. Je vais faire approche. Là. Déjà, je vais faire approche, ça me dira peut-être. Je sais pas si approche, je dois le faire ici, mais je pense que je dois le faire ici approche. Je vais pas le faire avant parce que je vais attendre d'être à 3000 pour faire approche. Donc là, on est au-dessus de la vitesse parce que j'ai pas mis encore le dernier cran de volet. Le terrain, bon, ça a l'air d'aller. Hein. Faut pas que je descende trop bas, mais là, tant que je suis pas à 3000, c'est bon. Hein. Tant que je suis à 3000, je veux dire, tant que je suis pas en dessous de 3000, c'est bon. Mais là, il faudra que je descende pas. Donc, je mettrai. On va voir comment ça marche. Donc, ça y est, là, je peux remettre la glace. A fondu un peu. Et qu'est-ce que je vois ici? Bah regardez, c'est quand même pas belle la vie là. Je vais voir ma piste tranquillement. Je suis à 3600 pieds, c'est bon. Alors, donc, l'aéroport, il doit être par là-bas. On doit le voir. Je vais passer dehors. Eh oui, il est là. Bon. D'accord. Oui, il est bien gelé mon avion. Oui, c'est vraiment rapide hein, pour venir de la Genève. C'est pas mal pour s'entraîner là. Bon, alors ce qu'il y a de bien, oui. Alors, je pense que je peux enlever la carte. Parce que vous, peut-être que vous voyez pas bien là. Voilà. Alors là je redonne un coup d'œil. On sent que les moteurs repartent. Parce que, bien sûr, comme j'ai pas mis les volets, les derniers crans de volets ici, ça risque d'être un peu. On va voir. Ça va planer un peu moins bien. Donc, alors je récapitule. Je vais appuyer sur approche quand je serai presque arrivé ici, je pense. Après, l'avion, théoriquement, il doit se mettre tout seul face à la piste. Je vais me mettre sur 20 là pour voir. Voilà. Voilà, je suis à peu près à 20 de ce point. Donc, 20 nautiques de ce point, je vais prendre le virage et après il me restera pas grand chose hein, pour descendre là. C'est facile à voir, on peut regarder là. Alors next phase. Voilà,
approcher un A35R. Donc, je regarde là. Je ne comprends pas là. Alors, après 35R, il me reste plus que. Entre 35R et RW35, FL35R et donc, j'ai plus que 7. Hein. Donc, j'ai 7 à peu près. Hein. Ouais, c'est ça. 5 et 2, 7, c'est ça. Donc j'ai 7. Là, ben, je vais essayer peut-être. C'est très lent là, bien sûr. Hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a le temps de regarder le paysage, puisqu'il fait encore jour. Il n'y a pas trop de brouillard, donc on arrive à voir. Saint-Romain-de-Jalonas, ma ville, qui est pas loin là-bas. Quand est-ce que je vais. Ah, ben, c'est jour là, je suis dans cet avion et j'arriverai au même endroit. Enfin, ça sera avec un pilote plus chevronné que moi. J'espère que ça arrivera parce que pour l'instant, c'est mieux que si mieux qu'on voyait là-bas. Donc, c'est pas encore. Là. Non, c'est un peu du péril. Oui. Je suis à 3000 là, voilà, c'est très bien. Je suis à 3000 tranquille. Où je reste à 3000 jusqu'à 35R. Voilà. Pour l'instant, tout va bien. On va regarder la carte un petit peu pour se faire un petit peu peur. Donc là, je vais arriver à Rivetu. À Rivetu. Je vais arriver à Rivetu. Hein. J'ai Amken d'abord et Rivetu. Ah non, j'ai dépassé ça. Qu'est-ce que je raconte? Je suis bien plus près que ça. Je ne comprends rien. Oui, non, je suis là. Je suis bête. Ça j'ai passé un peu longtemps parce que là j'ai commencé ma descente ici, là, je suis à 3000, je vais arriver ici en fait. Voilà. D'accord. Donc là on descend tout doucement. J'ai pas encore mis full flap. J'hésite à le mettre. Peut-être que je mettrai full flap qu'après le point qui est là. Sur approche à Ingul. Bon, et ben mon avion marche plus. Le jeu marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Le jeu a planté. Oh là 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 là. Alors c'est mon ordinateur qui a planté, c'est quoi là? Il n'y a plus rien qui répond là. C'est l'ordinateur qui a planté. Ça c'est la première fois que ça me le fait. Ah
Ah, ça y est, c'est revenu. Ouf. Non, ça devait être le jeu qui a eu un problème. Voilà, bon, allez, on continue. Alors, une guve. Si je mets une guve, là, qu'est-ce que ça donne, là? Je suis à 9 d'ingu. C'est bien ça. Et ben là, je peux me mettre. Ah, je sais ce que je vais mettre. Je vais mettre FL35R. Voilà. Allez, je vais mettre FL35R. On verra bien. Ça, ça sera important. Alors, FL. Foxtrot climat, alors FL35 Romeo. Je vais le rentrer là. Ah bah oui, ça c'est important parce que bon, bien sûr c'est la oui, là c'est en direct, hein. Mais quand je serai là, ça va me donner la distance. Et si je mets le même, j'aurais pu mettre, bon, disons que j'aurais pu mettre, ah oui tiens, regardez, si je mets, le nom de l'aéroport avec runway 35, qu'est-ce que c'est ma runway déjà? C'est la 35R. Bon, alors je vais essayer de mettre le nom de l'aéroport là, donc c'est Lima, Foxtrot, Lima, Lima, 35, R, on va voir. Et si je le rentre ici, et ben regardez, c'est génial. C'est génial. C'est-à-dire que là, je saurai la distance. Et donc, si je la calcule tout de suite d'ailleurs, si je suis ici, 35R INGUV, je suis à 5 d'INGUV, donc quand je serai à 35R, je serai à 7 de la... Bon, allez, je vais le faire ça. Allez, je vais faire synchroniser 35R. Là, il faut que je mette une altitude, donc pour descendre à la piste, elle est à 175, je ne me rappelle plus. C'est l'état 814. Allez. Allez. Il me faut 7 nautiques. C'est, bah, c'est pile. Hein. C'est pile. Donc, pour la descente à un angle de 3 degrés. C'est bien ça, alors. Ok. Bon, allez, qu'est-ce que, où est-ce que j'en suis, là? Allez, je vais mettre mon truc à approche en route, là. Là, je vais commencer à tourner, il me semble. Donc, est-ce que mes feux de landing, oui, je les ai allumés? Non. Ah, j'avais oublié un cran. Il y a deux crans, là, il faut bien mettre. Ça, il faut aussi que je l'allume. Et ça aussi. Allez, hop. Ça, je peux le laisser comme ça. Bon, les passagers, il y a longtemps... Ah non, est-ce que c'est pas ça, les passagers, c'est ça. Il y a longtemps que j'aurais dû les attacher. Bon, enfin, bon, voilà. Très bien. Principe. Là, je devrais demander de checker là. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent de checker? Cabine, ça c'est fait. J'en ai oublié un peut-être. Bon, cabine, c'est checké. Landing, ça c'est normal. Les flaps full, ça va être normal. Allez, là, je vais appuyer sur approche. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Alors ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi.
ça n'active pas le mode approche. Et c'est ce que je craignais. Voilà, il n'y a pas approche là, qui marche. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Le mode approche fonctionne pas. Alors, pourtant, je l'ai bien marre là. Perf. Ah ouais, là, je comprends pas. Bon, écoute, c'est pas grave. Je n'ai rien qui s'affiche là. Donc, je suis en mode approche, mais. Bon, là, je vais me régler. Pourtant, je suis pas en LS là. Non. Donc, je vais descendre. Faut que je descende à partir de bientôt là. Je vais me régler sur 800. Faut que je me règle là. Elle est courte hein, la droite. Là, j'ai oublié de me mettre en max. Ici, j'ai bien armé là, ouais. Je mets full flap. C'est bon. Et je tire, je descends mon train. Voilà. C'est bon. Et là, je vais descendre. Alors attendez, là j'arrive. C'est là où je sais pas ce qu'il faut faire. Là. Mettre comme ça, on verra bien. Hein. Là, je descends trop vite. Hein. Ah oui, je descends trop vite. Là. Je descends trop vite. J'ai oublié de régler mon. Je descends un peu plus vite là. Combien il m'avait dit là? Ah zut! Ça a bloqué. Est-ce que ça va revenir? Donc là, je vais couper AP1, je vais couper FD, et je vais, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais cliquer là-dessus, allez, on va voir, ouais, allez, je vais mettre le bird. Mettre le bird, on verra bien. Je vais essayer de reculer un peu. Allez. Je suis trop bas là, je suis trop bas. Ah, là, je suis pas sur la piste. Je suis pas sur la piste. Je suis trop. Oh là là.
micro. 200. Oh là là. Oh là là. Ah bah c'est foutu. Allez, 100. C'est foutu. 40, 30, 20, bon, je sais pas comment j'ai fait pour atterrir. Bon, ben, je vais demander là. Bon, là ça bug, je sais pas pourquoi. Ah, mais là j'ai compris. D'accord. Non, alors il faut que je remette là. Alors. Ah, oui, d'accord. Ça va pas. Là, ça marche pas. Oui. Pas bien. Le jeu fonctionne plus. Donc ça m'énerve. Voilà. Pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Oui, là en principe, j'aurais dû regarder droite et gauche. Non, là ça n'a pas marché. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi l'approche n'a pas fonctionné, ça, c'est un mystère. Pourtant j'ai tout fait. Comme on avait dit. Directement en appuyant sur approche, là, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et là, ça n'a pas fonctionné. Bon, allez, les amis, je vais vous laisser là. On en a assez vu pour aujourd'hui. Je suis un peu déçu. Si quelqu'un sait, je vais mettre quand même cette vidéo en ligne. J'aimerais qu'on m'explique là où ça n'a. Pourquoi, quand j'ai appuyé sur approche, ça n'a pas fonctionné. Ça aurait dû me mettre des informations sur le PFD et il n'y avait rien. Donc. Théoriquement ici, j'aurais dû avoir des informations ici sur le PFD et j'aurais dû avoir, oui, ça aurait dû me marquer que j'étais en RNAV, là. Ça aurait dû me le marquer, mais ça marche pas. Alors, est-ce que ça vient de la version expérimentale? C'est possible. Ça, je ne sais pas, donc je vais essayer. Demain, je réessayerai. De me mettre en APUGEN, bon, c'est en train de partir. Je réessayerai de me mettre dans un autre en version stable ou en version développeur parce que j'ai l'impression quand même que là il y a des choses qui marchent pas. Bon, on verra bien. Donc à l'arrivée, donc je résume ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Hein. Donc, la première chose à faire,
c'est de bien vérifier tout le temps son QNH pour l'atterrissage, toujours. Ensuite, c'est de bien suivre les indications de la carte pour arriver à la bonne altitude. Ici, voilà. Arriver à la bonne altitude. Ensuite, il faut surtout pas brancher le landing, je sais pas quoi. Ensuite, donc surtout pas le brancher. Ensuite, il faut bien régler ici, remplir là au niveau de la perf, bien remplir tout ça bien comme il faut là, la phase d'approche. Alors je vais vous la montrer. Elle n'y est pas là. Ah, si, voilà, phase d'approche. Voilà, il faut bien remplir tout ça exactement. Hein. Et marqué AirNav. Donc il faut bien le remplir ça. Voilà. Ensuite, quand on arrive, il y a un moment, quand on se rapproche, donc quand on est dans la phase de descente, il faut activer. Ici, vous aurez, quand vous serez sur climb, descente, rise, climb, vous pouvez, enfin n'importe où, vous pouvez activer la phase d'approche. Donc il faut bien l'activer. Il faut la remplir d'abord et l'activer après. Ça, c'est très important. Après, quand on est pratiquement arrivé, donc c'est ce que j'ai pas compris, vous allez me dire pourquoi ça n'a pas marché. Donc, bien vérifier son QNH, premièrement, ça c'est la première chose à faire. Bien vérifier ici, sur PROG, qu'on est bien en GPS Primary et qu'on est bien en Accuracy Height and Estimated, il faut que ça soit en dessous de ça. Voilà. Parce que ça c'est requis et ça c'est. Donc voilà. Bon, ça c'est bon. Ça, vous pouvez trouver, vous voyez la distance. J'aurais pu le regarder pour la descente. J'aurais pu me régler mieux, mais bon, la descente, elle n'a pas été si mal que ça. Le problème, c'est mon joystick. J'ai perdu la bonne route, mais ça vient du joystick. Hein. Maintenant, j'ai compris. Il n'y a pas de raison que je perde la route comme ça. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai quand même réussi à me rattraper. Mais le problème, c'est que quand j'ai mis le mode approche, j'aurais dû se mettre en route. Là, vous voyez ? Et ça, je pense que ça vient peut-être du fait que j'étais en expérimental. Ça, je ne sais pas. Voilà. Bon, allez, les amis, je vous laisse. Si vous avez des réponses à me donner, ça sera très gentil de me les donner. À bientôt, les amis. À bientôt.